ce jeu. C'est sérieux. Alors cette fois, on joue à Galactic Crusader. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté il y a très longtemps, mais en fait, j'ai jamais joué. C'est le genre de jeu qui coûte tellement cher que je l'avais juste mis dans Nintendo, j'avais vu qu'il fonctionnait, et puis je l'avais remis dans sa boîte. Tu le rajoutes à ta liste. Exactement. Mais maintenant, puisque c'est sérieux, on va y aller, Laurent. Je vais te laisser commencer. Ouais, ok, c'est bon. Alors, comme on a pu voir, il y avait une sorcière sur un balai. Dans un jeu de vaisseau, c'est toujours très fréquent. Ben oui. Alors, dans la définition, je vous traduis en temps réel, votre vaisseau spatial est vivant. C'est une créature métamorphique qui peut se transformer en insecte géant volant, mais aussi en un vaisseau métallique destructeur. Moi, justement, mon vaisseau a... Ouais, ton vaisseau est plus de détruit que destructeur. Mm-hmm. Tiens. Player 1 ready, mais il me semble qu'on pouvait juste jouer à 1. Clair, hein? Les jeux de vaisseau de même, j'adore, mais celui-là est particulièrement cheap. Ça, je sais. Mais non, t'es un insecte métamorphique dans un vaisseau destructeur métallique, qu'est-ce que tu dis là? Que c'est cheap. C'est pas cheap. Ok, le background est comme mal intégré, parce que moi j'aurais pensé... Ouais, t'as peur de cogner les... Ben, j'aurais pensé qu'il y avait eu des power-ups ou n'importe quoi dans les petites planètes bleues. Non. On n'a pas vraiment d'énergie non plus, hein? Non plus. Ben en fait, mon vaisseau, moi, tantôt, a rapetissé. Je pense que quand il rapetisse, c'est... Oui, parce que c'est une créature métamorphique, mais aussi un vaisseau. Okay, mais... Ouais, pas mal. Oh, ça, c'est pour moi? Ah, non. Non, regarde, c'est ça, regarde, t'es rendu petit. Là, j'ai un upgrade. Ah, j'avais un upgrade. On a failli savoir. Montrez-moi comment ça marche pas. Puis, ça sert à rien. On a juste... Il y a juste... Ah. Ben, attends. Bah ouais, non, les instructions sont super importantes. Le bouton B, c'est pour lâcher les firing devices, ou pour les attacher. Fait que quand tu vas attraper des power-ups qui vont rajouter des guns, j'imagine, okay. Tu vas pouvoir les lâcher, mettons que t'as un meilleur. D'accord. Fait que c'est comme pour éjecter. Mais c'est pas clair. Ça peut bien être un jeu unlicensed. Parce que c'est cheap. La cassette, elle peut bien être bleu poudre. Je tue frénétiquement, là. Il y a plein de définitions qui servent à rien. Ah ouais? Ah, ils définissent les différents... Cubicus, attention pour ses extensions hydrauliques. Gorus, la maison de ces chauves-souris suceuses de sang. À quoi ça m'aide alors que je suis juste pesé sur des boutons? T'es-tu... T'es sûr que c'est pas ta traduction qui est marrante? Non. Dragon King, avec son haleine destructrice de feu, elle pourra brûler ton vaisseau en un seul jet. Un souffle, pas une haleine, un souffle. Là, j'essaie de traduire en temps réel, là. Je suis pas si bilingue que ça. Yes, oh! No, ton oh, écoute, feu. Ça fait piou-piou. Ah, c'est ça qu'on voulait. Oh! Hein? T'as raison sur B, pour ça. Non, ça fait rien. Il y a comme des pelules de Dr. Mario, des fois. Je comprends pas rien. Ben, vu que t'es un vaisseau vivant, peut-être que tu peux guérir des maladies parce que t'es un vaisseau métamorphique. Prendre de la drogue. T'es rendu petit, là. Ouais. On dirait que le stage est infiniment long. Ben, apparemment que dans l'histoire... Ah, merde! Quand tu meurs, je m'en allais lire une histoire. Ben, je vais le lire, moi. C'est le deuxième paragraphe. Player 1, game over. Penetrate squadron after... Tu peux savoir combien de méchants t'as tué? Ah! Ça fait tellement arcade, ça! Vraiment. C'est vraiment à partir des années 90 que les scores, c'était 30. Punch Games! Oh, c'est continue! C'est compagnie de voir. C'était plate. Non, hein, ouais. Ben, écoute, faut essayer des choses dans la vie pour se rendre compte qu'elles sont mauvaises. Ouais, fait que je te dirais pas combien j'ai payé pour ce jeu de merde. Combien t'as payé pour ce jeu de merde? C'était mon premier jeu bleu. Combien? Mais c'était mon premier jeu bleu. Mais c'était mon premier jeu bleu. Ouais, mais combien?
c'est pas dit. Mais j'ai la boîte et le manuel. Ben, c'est merveilleux. Donc, essayez de nous recommander des meilleurs jeux que ça. Je suis sûr que ça va être facile. Laissez un commentaire ci-bas. Et en attendant, vous pouvez aller voir nos anciennes capsules, celles qu'on vient de tourner. C'est-à-dire, on avait Double Dragon 2. Et on vient de tourner Power Dragon... Dragon Power? Dragon Ball? Un des deux. En tout Dragon cas, Ball Z, machin. La version de Dragon Ball Z au NES. Oh oui. Alors amusez-vous. Et continuez de jouer. Puis continuez de donner des suggestions, parce qu'on est poche quand on choisit nous-mêmes. Ouais. La preuve.